Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo critique encore une fois, sur un biopic musical, et cette fois, après Bob Marley en février, eh bien, on va parler de Amy Winehouse avec Back to Black, et ça raconte son histoire, et c'est pas tout à fait réussi. C'est un biopic sans grande surprise, malheureusement. On suit du coup sa vie, du début de sa carrière, quand elle va signer son premier contrat dans une maison de disques, jusqu'à la fin de sa vie, qui s'étale sur pas beaucoup d'années. Malheureusement, vous le savez peut-être, puisqu'elle est décédée à 27 ans. Elle fait partie du fameux club des 27, ces artistes qui sont morts du coup à 27 ans. Et l'histoire, elle est très linéaire. J'ai l'impression de lire une fiche Wikipédia en voyant le film. Ça va d'étape en étape. Elle fait ci, elle fait ça, elle rencontre telle personne, telle autre personne. Donc c'est comme si on lisait sa biographie en voyant le film. Donc c'est pas inintéressant, elle a eu une vie assez remplie, hein, mais y a pas de surprise, même si la réalisation tente parfois quelques petits trucs pour montrer le mal-être intérieur de Amy Winehouse ou créer un petit peu d'émotion, bah ça suffit pas, hein. Il aurait fallu peut-être inclure un petit peu de fiction, un petit peu plus d'émotion pour créer un peu plus d'attachement au personnage et le comprendre un petit peu plus. Mais heureusement, il y a quand même un point positif dans ce film, c'est Marissa Abella qui joue Amy Winehouse, du coup, et qui l'incarne parfaitement bien, qui même chante les chansons dans le film, et elle arrive bien à imiter le style Amy Winehouse, et vraiment, elle porte le film et elle le sauve. Parce que franchement, sinon, il n'y avait pas grand-chose à en tirer de ce film, à part apprendre quelques petits trucs sur sa vie, mais c'est le point positif du film, c'est l'interprétation de Marissa Abella, donc il faut retenir son nom, parce qu'on va sûrement la voir dans plein d'autres films, parce qu'elle a beaucoup de talent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était très rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, malheureusement. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez aimé ou pas ce film Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films musicaux. Ciao !